C'est un peu monumental et un peu à l'image de cette période. Si je l'ai choisi en guise d'introduction, ce poème symphonique de Richard Strauss, qui a été composé en 1896, c'est parce qu'il est une libre interprétation de l'ouvrage de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, un ouvrage sous-titré Un livre pour tout le monde et pour personne. Cet ouvrage a frappé plusieurs architectes, dont deux, pour le moins, en ont dessiné de belles éditions, le Belge Henri Van Velt, comme vous pouvez le voir, mais aussi l'Allemand Peter Behrens. On est beaucoup moins renseigné de l'impact qu'il a eu sur les architectes français. Ce fragment musical traduit bien, je trouve, les caractères de cette fin de siècle. On y sent une forte volonté expressive, mélangée à un désir de renouveau, formulé de façon presque messianique. Un ancrage dans la tradition et des idéaux esthétiques qui se cherchent encore. C'est une période que l'on perçoit surtout comme un prolongement du Second Empire et qui porte aussi en elle les germes d'un renouveau. Plein de vitalité, ces germes sont souvent dissimulés. Ils ne parviendront à leur pleine expression, à un état de maturité, que des années plus tard, au cours du XXe siècle. C'est cette ambivalence, ce mélange de continuité et de nouveauté que je souhaite ce soir vous présenter. Cet exposé aura donc trois temps. Le premier approchera ce qu'est l'architecture de la République. Le deuxième, quelques continuités frappantes entre le Second Empire et la Troisième République, dont certaines d'ailleurs traversent l'ensemble du XXe siècle. Et le troisième évoquera les éléments de renouveau, ces germes dissimulés qui se sont révélés riches de potentiel pour l'architecture du XXe siècle. Il n'est pas habituel de parler d'architecture de la République. Aussi, cela vaut-il quelques éclaircissements sur ce que fut la production de cette période qui est artistiquement mal identifiée, celle qui commence en 1870 et qui s'achève en 1914. L'un de ces traits... Ah, là, il y a eu un petit problème. Ça fait rien. On va rester là. L'un de ces traits caractéristiques, c'est d'être une architecture des villes. Le XIXe siècle, vous en avez déjà entendu parler, je suppose, est le siècle de l'industrialisation et de l'urbanisation de l'Europe entière. Et si l'industrie s'est installée lentement en France, son réseau urbain s'est développé de façon constante. Durant la période qui nous occupe, cette expansion fut notable, même si elle fut un peu inférieure à la période précédente. Après avoir stagné autour de 1870, elle a repris avec une nouvelle vigueur de 1872 à 1881, puis à nouveau à partir de 1896. Paris occupait une situation dominante et l'écart de son développement, entre son développement et celui des autres villes de France, s'est encore creusé durant cette période. En tant que capitale, elle bénéficiait de l'apport des institutions et des administrations nationales. Et en cette fin de siècle, elle a également bénéficié des impulsions qui lui ont été apportées par l'organisation des expositions universelles. De plus, son industrialisation tardive lui redonna un regain d'énergie à la fin du XIXe siècle, comme l'illustrait une certaine image qui n'est pas arrivée, mais qui était un tableau de Tandelov qui montrait des usines, les fumées des usines de Saint-Denis, illustrant ce développement qu'a connu à ce moment-là l'Est parisien, ce développement industriel. Les grands travaux entrepris durant le Second Empire sous la direction du préfet Haussmann ont aussi été décisifs pour son expansion et ont rejailli de façon très favorable à son image. Ils ont permis, par le percement de voies et la construction de bâtiments publics, par la création de nouvelles adductions d'eau et d'un réseau d'égouts, par la combinaison de travaux urbains et de travaux architecturaux, une rénovation de la capitale. On peut en mesurer l'ampleur à la vue de cette carte
des opérations de voirie qui ont été exécutées entre 1854 et 1871 et qui montrent le réseau des voies qui ont été créées, qui sont indiquées en rouge sur cette carte et qui concernent, comme on le voit, pour beaucoup, le centre de la ville et cette fameuse croisée nord-sud-est-ouest, pardon, mise en place par Haussmann. Le développement urbain parisien a été porté par l'ensemble de ces décisions. Il a connu une explosion autour de 1875, encouragée par l'exposition universelle de 1878. Le krach de la Banque d'affaires de l'Union Générale en janvier 82 a provoqué une crise qui a retenti sur le développement immobilier, mais qui a été atténuée avec la préparation de l'exposition universelle suivante en 1889. Et la reprise a été sensible dans les années 1890. Cette croissance a particulièrement touché les nouveaux arrondissements qui avaient été annexés par Haussmann en 1860. Jusque-là, Paris était en effet contenu dans l'enceinte des fermiers généraux, le tracé que vous pouvez suivre ici en bleu. À partir de cette date, donc à partir de 1860, les limites de la capitale ont été fixées sur celles de l'enceinte militaire qui avait été construite par Thiers en 1840, à l'exception de deux poumons, deux oreilles, qui sont d'un côté le bois de Boulogne et d'autre côté le bois de Vincennes, qui ont été englobés dans les limites de la capitale. C'est grosso modo les limites de la ville de Paris aujourd'hui, qui depuis cette annexion n'ont quasiment pas bougé. Entre 1880 et 1906, la population des arrondissements du centre, donc entre ces deux schémas, la population des arrondissements du centre, qui est représentée dans les teintes les plus sombres, est restée relativement constante. Elle a même, vous pouvez le constater, diminué dans les arrondissements centraux du 1er au 6e. En revanche, elle a explosé dans les arrondissements périphériques, ceux-ci, ceux donc qui sont du 13e au 20e arrondissement, donc cette couronne précisément qui avait été l'objet de l'annexion en 1860. Si l'architecture de la République a rarement été identifiée en tant que telle, c'est qu'elle est mal connue d'une part et très diverse de l'autre. Elle ne correspond pas à un courant stylistique identifié. Et d'ailleurs, à feuilleter les ouvrages d'histoire de l'art et de l'architecture, on remarque même qu'elle est très souvent partagée en son milieu. Les premières années de la décennie sont considérées comme une prolongation du Second Empire, alors que les années 1890 paraissent marquées par une césure qui correspond à l'apparition de ce qu'on appelle généralement l'art nouveau. Elles introduisent donc une nouvelle phase, que certains appellent la Belle Époque, comme François Loyer, ou d'autres l'âge des avant-gardes, comme Françoise Hamon. Qui sont donc ces architectes de la Troisième République ? La génération bien connue, celle du Second Empire, celle des Baltard, des Duban, des Garnier, des Labrouste, des Viollet-le-Duc, est une génération qui est née entre 1790 et 1820. Celle qui nous occupe est constituée par ceux qui ont vu le jour dans les années 1840-1860, voire 1870 pour les plus précoces. Elle comprend ceux qui, sur la scène internationale, ont souvent été qualifiés de précurseurs de l'architecture moderne, des architectes tels que Peter Behrens en Allemagne, Henrik Petrus Berlage aux Pays-Bas, Victor Horta en Belgique, Henri Van Velde également en Belgique, Otto Wagner en Autriche. En France, on garde curieusement la mémoire de ceux qui furent les plus précoces, pour la plupart des architectes qui sont nés autour de 1870. Parmi ces grandes figures, on peut en évoquer quelques-unes, dont Hector Guimard, principalement connu pour ses entrées de métro,
qui fut l'un de ses représentants de l'Art nouveau en France. C'est un architecte qui s'intéressa beaucoup à l'architecture domestique, qui construisit plusieurs hôtels particuliers et plusieurs immeubles, dont le célèbre Castel Béranger, qui se trouve dans le 16e arrondissement, dont il fit un manifeste de ce qu'il appela, avec beaucoup de modestie, le style Guimard, organisant en 1899 une causerie dans les salons du Figaro pour présenter ce nouveau style. Il publia à cette occasion un luxueux album qui détaillait tous les aspects de son architecture et de son aménagement intérieur, un aménagement qui était dessiné jusqu'à la moindre poignée de porte. Autre figure dont on a retenu le nom, Henri Sauvage, dont les premières œuvres sont aussi marquées par l'influence de l'Art nouveau et qui par la suite s'orienta vers un langage plus dépouillé après la Première Guerre mondiale. Il s'est intéressé à de nombreuses questions contemporaines, du logement social à la préfabrication. Il fut associé durant les premières années, c'est-à-dire jusqu'en 1912, je pense, à Charles Sarrazin, et il a lui aussi produit plusieurs villas et immeubles, dont la Villa Majorelle à Nancy, ou un immeuble sur lequel je reviendrai par la suite, qui se trouve à Paris, qui est l'immeuble de la rue Vavin. Autre grande figure, celle d'Auguste Perret, qui ayant connu une plus grande longévité, a beaucoup construit durant l'entre-deux-guerres. C'est un architecte et un entrepreneur qui est associé à deux de ses frères, Gustave et Claude, et qui s'est imposé pour son utilisation du béton armé. Les œuvres les plus connues de cette période qui précède la Première Guerre mondiale sont le Théâtre des Champs-Élysées, sur la conception duquel il s'est affronté avec Henri Van Velt, qui en avait reçu la commande, ainsi qu'un immeuble qui fit grand bruit, qui se situe à deux pas d'ici, qui est l'immeuble de la rue Franklin, sur lequel je reviendrai également au cours de cet exposé. Dernière des grandes figures que je pense intéressant de remarquer parmi cette génération, Anatole de Baudot, qui lui est plus âgé et qui fut, selon les mots de Marie-Jeanne Dumont, un tardif précurseur, qui s'est enthousiasmé pour une utilisation rationnelle du béton armé en retenant les principes de son maître à penser, qui était Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. On a retenu de lui l'église Saint-Jean de Montmartre, dans laquelle il utilisa un système mis au point par l'ingénieur Paul Cottencin. Certains se souviendront peut-être aussi qu'il est l'auteur du Lys et la Canale, ainsi que d'étonnants dessins qui sont en quelque sorte des rêveries sur les capacités du béton, sur les prouesses techniques et spatiales qu'il pourrait permettre d'accomplir. Mis à part ces personnalités, qui se souvient aujourd'hui des auteurs de toutes ces œuvres qui nous sont familières, comme l'architecte du Petit Palais, Charles Giraud, et ceux du Grand Palais, Henri de Glane, Albert Louvet, Albert Thomas, l'architecte de la Sorbonne, Paul-Henri Nénot, l'architecte de la gare d'Orsay, Victor Laloux, l'architecte du Grand Théâtre de Nancy, Joseph Hornecker, ou encore tous ceux qui ont signé ces milliers de grands hôtels, de casinos, d'immeubles, de mairies, de théâtres, d'églises, de lycées et d'écoles qui ont été construits sur tout le territoire français, tels qu'Émile Vaudremer, l'auteur du lycée Buffon, ou encore plus inconnu, beaucoup plus inconnu, François Ranson, l'auteur de l'école de garçons de la rue de Chernowitz dans le 16e arrondissement.
Ces années sont donc mal connues et foisonnantes. Elles sont à l'image des deux côtés de cette rue de Chernowitz. Elles ont vu naître des réalisations aussi nombreuses que composites. Elles n'ont pas été marquées par le sceau d'un style. On ne parle pas de style républicain, comme on a pu le faire des nombreux règnes et même du Second Empire, selon le mot de Charles Garnier à propos de son opéra. Néanmoins, si cette période n'a pas été marquée par un style architectural, elle a débuté par des décisions politiques au travers desquelles la République a nettement manifesté sa rupture avec l'Empire. Je pense là à des décisions qui ont remis en cause ou confirmé ce qui avait été engagé sous Napoléon III, des décisions qui ont eu un retentissement direct sur la construction et sur l'élaboration d'un certain nombre de bâtiments par leurs conséquences matérielles. Face au chantier qui était inachevé alors qu'éclata la guerre de 70, face aux destructions qui résultèrent du conflit et de la Commune, le gouvernement a réagi de façon circonstanciée, au cas par cas, comme on peut le voir à travers quelques exemples. Le premier, c'est l'incendie des Tuileries, qui eut lieu alors que Victor Le Fuel venait d'achever les travaux de la réunion du Louvre et des Tuileries, entrepris sur un projet de Visconti. Donc, le palais des Tuileries se trouvait en bout, et les travaux menés par Le Fuel visaient à donner donc cette continuité pour former cet ensemble. Ces travaux venaient juste d'être achevés au moment où eut lieu la Commune. L'incendie détruisit la charpente du palais des Tuileries, donc de ce palais-ci. Mais selon de nombreux auteurs, une reconstruction aurait pu être envisagée. Elle fut d'ailleurs conseillée dans les rapports que remirent successivement Le Fuel lui-même ainsi que Viollet-le-Duc. Mais en 1882, la Chambre vota la démolition de ce qui restait pour mettre fin à un passé au nid. Le palais des Tuileries fut rasé et Le Fuel fut chargé de remettre en état la façade nord du pavillon Flore et de reconstruire le pavillon de Marsan. Les ruines furent adjugées et les matériaux dispersés. Le même sort a été réservé au château de Saint-Cloud. Laissé à l'abandon, il fut finalement rasé en 1891. En revanche, l'hôtel de ville, qui lui aussi fut incendié, fut reconstruit. Un concours fut lancé, remporté par Théodore Balu et Édouard de Perthes. Leur projet gardait une certaine fidélité par rapport à l'original, en reconstruisant à l'identique le corps central et en augmentant l'édifice afin de répondre au programme. Ces décisions ont d'une certaine façon été pragmatiques. Ce qui était utile l'a emporté sur ce qui était somptuaire. Mais elles ont aussi été portées par une volonté de rupture. Ce qui portait la trace de l'Empire et de la monarchie a été délaissé et même supprimé, quand ce qui participait au renforcement de la vie communale, un rouage indispensable de la République, l'a emporté. On constate d'ailleurs des choix similaires en ce qui concerne les chantiers en cours. Il est ainsi symptomatique de constater que l'un des monuments les plus marquants de Paris du XIXe siècle et du goût de la bourgeoisie, l'opéra, dont le concours avait été remporté en 1861 par Charles Garnier, n'a jamais véritablement été terminé. Certes, l'incendie de l'opéra de la rue de Pelletier en 1873 a permis que l'on en termine l'essentiel et que l'on l'inaugure, en 1875, mais certaines des sculptures de la rotonde de l'Empereur, ce qui n'est probablement pas un hasard, n'ont jusqu'à ce jour jamais été achevées. Ainsi, au-dessus de la statue de l'architecte, on voit un certain nombre de pierres en attente qui n'ont jamais été sculptées
qui font partie de ces travaux qui ont été abandonnés par la République au moment où il fallait abonder pour terminer l'ensemble du monument. On note la même chose sur un autre des chantiers de Napoléon III, le château de Pierrefonds. La restauration de ce château, entreprise en 1857 sous la direction d'Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, était aussi un projet d'aménagement de demeure princière. La réédification du donjon, écrivait Viollet-le-Duc, au milieu des ruines pittoresques et sur un point culminant d'où la vue est belle de tous les côtés, pourra faire une habitation fort agréable. Les travaux ont été interrompus en 1870. Ils ont été définitivement abandonnés en 1885, laissant certaines pièces inachevées, sans peinture, sans lambris et sans le mobilier qui avait été prévu. Ces choix n'ont pas été innocents. À travers la destruction définitive du château des Tuileries et de celui de Saint-Cloud, à travers l'arrêt des subventions de l'Opéra ou de Pierrefonds, à travers le soutien de la reconstruction de l'hôtel de ville, la République a exprimé ce qu'elle était. Ces décisions politiques ont entraîné la disparition ou la construction d'édifices. Elles ont d'une certaine façon fondé une nouvelle ère. Cette nouvelle ère a pourtant été généralement considérée, du point de vue de son architecture, comme la continuité de la précédente, et ce n'est pas sans raison. Dans beaucoup de domaines touchant à l'architecture, on retrouve en effet les mêmes idées et tendances que celles de la période précédente, souvent même exprimées avec plus d'emphase qu'elles ne l'avaient été jusque-là. L'engouement pour l'architecture de tous les styles et de toutes les périodes qui a caractérisé ce siècle était toujours aussi présent. S'il avait conduit depuis 1840 à des confrontations qui ont été parfois virulentes entre les tenants du néo-gothique, du romano-byzantin ou du néo-baroque, les positions étaient alors plus sereines. Les architectes étaient en quelque sorte devenus plus écuméniques, pratiquant tantôt une déclinaison de style par type de bâtiment, aux églises le néo-gothique, aux hôtels de ville le néo-grec, tantôt ce que certains ont appelé un éclectisme raisonné, tantôt un mélange de références multiples, une forme de syncrétisme. Charles Garnier lui-même expliquait en 1889 que les batailles avec les néo-gothiques n'était plus à l'ordre du jour et que l'heure de l'apaisement était arrivée. Si jadis, disait-il, quelques convaincus rigides regardaient le gothique comme une dangereuse aberration, on le considère aujourd'hui comme une des manifestations de l'architecture. Ce n'est plus un ennemi, c'est un allié. Ce n'est plus un erratum du passé, c'est une page de l'histoire. Preuve de son large intérêt historique, il donna à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 une représentation de l'habitation humaine à travers les âges et les pays en une quarantaine de pavillons. C'était en quelque sorte une illustration construite d'un ouvrage qu'il a simultanément publié avec un historien du nom de Auguste Hamann, qui était professeur au lycée Louis-le-Grand. Un ouvrage qui portait pour titre « L'habitation humaine ». De la cité lacustre, que vous voyez ici, à l'habitation des sauvages d'Afrique, en passant par la maison phénicienne, on allait jusqu'à la maison russe médiévale et à d'autres maisons plus contemporaines. Il répondait ainsi à la curiosité historique et géographique de ses contemporains, à travers des représentations pour une grande part imaginaire. Avec la construction de son opéra, l'architecte avait ouvert la voie à un joyeux et opulent éclectisme, jouant de la virtuosité des références et des matériaux
proposait un édifice qui était coloré et plastiquement animé. L'architecture des débuts de la Troisième République s'est plu à ces jeux. C'est frappant lorsque l'on compare des édifices similaires à quelques décennies d'écart. Vous avez là donc trois théâtres qui ont tous été construits au XIXe siècle, donc entre 1860 et 1900. Au dépouillement de la façade du théâtre de Beaune, construit entre 1860 et 1862 par Félix Gouin, donc un peu avant la période qui nous occupe, on peut opposer la richesse du théâtre de Montpellier ou celle du théâtre d'Épernay, dont le premier a été construit en 1881, entre 80 et 88, par Marie-Joseph Cassien-Bernard, et le second en 1900 par Stanislas Loison. La composition est semblable, trois travées centrales et deux latérales, les trois travées centrales marquant donc l'entrée et le foyer, mais les parties sculptées sont plus riches au fil des années. Elles introduisent beaucoup plus de profondeur et de mouvement. C'est un enrichissement qu'on note aussi dans les intérieurs, par le recours à une variété de matériaux multiples qui permettent une certaine polychromie naturelle. On peut relever les mêmes évolutions sur les façades d'immeubles. Celle qui se trouve, c'est aussi tout proche d'ici, au 5 avenue du président Wilson, qui a été dessinée en 1872 par l'architecte Albert Martin, avec sa composition géométrique relativement simple et retenue, les très légers ressauts des encadrements de fenêtres, la linéarité des motifs qui apparaissent presque gravés. Paraît un immeuble très retenu, surtout si on le compare à cet immeuble-ci, beaucoup plus tardif, de 1905, qui est dû à un architecte du nom de Wagon, qui a été construit avenue Félix Faure, où l'on voit se développer toute cette opulence et cette expression accentuée, faite de courbes et de sinuosités à la fois mouvementées et extrêmement saillantes. Et on pourrait décliner ainsi nombre d'immeubles. J'en prends un troisième à titre d'exemple. Celui-ci est toujours dans cette même petite rue de Chernowitz que j'évoquais tout à l'heure. Il est dû à un architecte qui s'appelle Albert Weck. On voit le même abandon de la façade plane qu'on avait noté dans le premier des immeubles que j'ai montré. Elle est ici bombée, avec une partie qui offre au séjour une luminosité plus importante. Elle est dotée de balcons qui sont très nettement saillis et marqués par des consoles sculptées. On voit donc une même amplification du décor avec un répertoire décoratif relativement nouveau qui puise dans la flore et dans la faune commune, au-dessus de la double porte d'entrée qu'on voit ici. Donc ce motif est celui qui se trouve exactement au-dessus de cette double porte d'entrée. Les deux clés des arcs surbaissés des portes sont associées à une tête de bélier. Je ne sais absolument pas pourquoi elle a été choisie. Sur un fond de feuilles et de fleurs d'artichaut, qui sont également repris dans les motifs de fer forgé des portes et des appuis de fenêtres. Donc une combinaison à la fois d'un vocabulaire traditionnel architectural et de motifs relativement nouveaux. Il n'y avait pas à chercher loin pour les trouver. Venait d'être édité un recueil d'ornements dû à Victor Ruprich-Robert qui s'intitulait « Flore ornementale », et c'est sur la composition de l'ornement, éléments tirés de la nature et principes de leur application. Herbier artistique contenant plus de 500 plantes. Il poursuivait à travers cette publication ce qui avait été engagé par Owen Jones dès 1856
qui, dans son ouvrage intitulé « The Grammar of Ornament », proposait tout à la fois des motifs géométriques et des motifs puisés dans la nature, mais régularisés pour leur donner des contours relativement réguliers qui puissent être directement utilisables dans des motifs décoratifs. On voit par exemple l'iris, le liseron, le chèvrefeuille, donc dessinés de façon à pouvoir être directement utilisés. Conçus dans une autre perspective, les dessins que propose Viollet-le-Duc dans le dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle ont sans doute été utilisés aux mêmes fins. On voit cette même régularisation géométrique. Il s'agit ici de l'article Flore, donc le volume qui a été publié en 1871. Ce goût du pittoresque qu'on a noté, ce développement du goût du pittoresque qu'on a noté dans l'évolution des immeubles, a été entendu par la municipalité parisienne, qui en 1902 a édicté une nouvelle réglementation qui s'en est fait l'écho, tout en prolongeant les grandes lignes de sa politique urbaine. Dans ce domaine, on retrouve ces mêmes caractères, tout à la fois de continuité dans les décisions et de nouveauté. Les premières règles qui contrôlèrent la construction des immeubles à Paris avaient été prises au XVIe siècle. Elles visaient avant tout la préservation de l'espace public. Il s'agissait d'éviter que les particuliers empiètent sur le domaine public. Par la suite, la hauteur des bâtiments, puis la surface des cours et des courettes avaient été limitées pour des questions de salubrité. Les saillies telles que les corniches avaient été réduites pour des raisons de sécurité, certains passants se plaignant de recevoir des morceaux de corniche sur la tête. Ces mesures avaient conduit au fil des années à définir une silhouette qui est une silhouette connue de l'immeuble parisienne, à façade plate, sur lesquelles de l'une à l'autre se poursuivent les mêmes horizontales des corniches et des balcons, ce que montre bien le schéma de Louis Bonnier qui illustre la dernière réglementation en date, qui était celle de 1884. Donc on y voit bien ces plans de façade très réguliers, ces lignes de corniche qui courent d'un immeuble à l'autre et qui constituent des fronts de rue qui sont relativement maîtrisés. Ce contrôle du plan de la façade a été battu en brèche par les architectes pendant les années qui nous occupent. Beaucoup se sont alors élevés contre ces règles qui semblaient contraindre la création et qui s'opposaient à leur vision d'une ville animée, une ville pleine de saillies et de volumes irréguliers, une ville plus pittoresque qu'était la ville haussmannienne. Viollet-le-Duc, dans son 18e entretien de l'architecture qui a été publié en 1872, en a même fait un combat chargé de connotations politiques, assimilant la platitude des façades au communisme et plaidant pour un libéralisme qui laisserait aux architectes la liberté de dessiner des beaux windows. Supposons, disait-il, que les règlements tiennent compte des questions d'art, d'aspects variés suivant les goûts des habitants, qu'ils refusent de faire de nos habitations une sorte de phalanstère dans lequel chaque sociétaire aurait les mêmes aptitudes, les mêmes occupations, les mêmes désirs, le même nombre d'enfants, la même fortune et le même ennui. Supposons que ceux qui sont chargés de nous administrer depuis longtemps déjà et qui se disent les ennemis du communisme cessent de préparer les voies par la plus bizarre des contradictions au communisme le plus abject. Supposons que l'administration française devienne l'adversaire de la réglementation sur toute chose et à propos de tout, et que ces efforts tendent à protéger l'initiative privée en tant qu'elle ne gêne pas le public et l'indépendance des esprits,
Alors, peut-être nous sera-t-il permis d'ajouter des encorbellements aux maisons dont les façades s'ouvrent sur de larges voies. Le règlement de 1902, illustré par un autre schéma, toujours du même Louis Bonnier, permit ce pittoresque et ces encorbellements que réclamaient les architectes, tout en se situant dans les prolongations des autres. C'est ce que démontre clairement la confrontation. Il gardait la même logique que les règlements précédents, celui de 84, celui de 1859 et d'autres antérieurs. Il définissait toujours une ligne de corniche en fonction de la largeur de la rue et il la conservait globalement à la même hauteur. Ce qu'il a transformé d'une part, c'est le volume du comble. Au-dessus de la ligne de corniche, c'est pas très sensible ici, mais au-dessus de la ligne de corniche, on pouvait désormais ajouter 2 voire 3 étages, alors qu'antérieurement, on avait au maximum 1 étage carré plus le comble. Et d'autre part, il offrait la possibilité de retrait partiel, donc de recul des immeubles, non pas sur toute leur hauteur, mais sur une partie. La première des dispositions, donc celle qui permettait d'ajouter des étages au-dessus de la ligne de corniche, a été très largement utilisée. Si vous regardez les rues parisiennes, on le voit tout de suite. Donc ici, on a 2, presque 3 étages au-dessus de la ligne de corniche, qui est déjà placée relativement haut. L'autre disposition, celle qui permettait un retrait partiel, a été peu exploitée, pour une raison relativement simple, qui est que la profondeur des parcelles faisait qu'un retrait partiel faisait perdre trop de surface construite dans l'ensemble de l'immeuble. Dans la plupart des domaines de la politique urbaine parisienne, on constate cette continuité. Les services municipaux ont été peu remaniés. Si on accepte évidemment le départ du baron Haussmann, tous les chefs de service qu'il avait mis en place sont demeurés, tels qu'Adolphe Alphand, un ingénieur des ponts et chaussées, et a fortiori, tous les employés aussi. Ils ont continué à utiliser les mêmes outils pour les mêmes objectifs. Ils ont poursuivi la constitution d'un nouveau réseau de voies permettant de relier les points stratégiques qui complétaient celui qui avait été entrepris pendant le Second Empire. Leur action a été si semblable dans ce domaine à celle de la préfecture haussmannienne qu'il est souvent impossible de distinguer les opérations engagées par le préfet de celles qui ont été menées ultérieurement. Ainsi, on pense souvent que l'avenue de l'Opéra a été ouverte sous le Second Empire. En réalité, elle n'a été que commencée sous le Second Empire. Son ouverture a été engagée aux deux extrémités, du côté de la place de l'Opéra en 1864, donc ce petit tronçon-là. Mais comme on le voit bien sur ce plan de 68, ensuite, ce n'est pas encore ouvert. Et de l'autre côté, du côté de la place du Théâtre français, en 1867. Mais l'essentiel de son tracé, celui qui est compris entre la rue Louis-le-Grand au nord et la rue Molière, la rue Louis-le-Grand, je pense que c'est celle-ci, et la rue Molière au sud, a été décrété d'utilité publique en juin 1876 et réalisé dans la foulée. Ce qui explique cette photo de Marville en 1877, sur laquelle vous voyez donc les premières démolitions qui sont entreprises pour véritablement réaliser le tronçon manquant, donc l'essentiel de ce qui constitue l'avenue de l'Opéra. Cette continuité des initiatives est lisible à travers l'ensemble des planches des travaux de Paris 1789-1889, qui est un atlas qui a été publié à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 sous la direction d'Adolphe Alphand. Ces planches confrontent la situation de la capitale à plusieurs moments, dans différents domaines, les égouts, les opérations de voirie et les transports en commun.
La planche 13, qui est celle que vous avez sous les yeux, figure les opérations de voirie qui ont été réalisées entre 1871 et 1889. Elle montre comment elles ont poursuivi ce qui avait été précédemment entrepris. On note l'ouverture de l'avenue de l'Opéra, qu'on vient d'évoquer. Voilà. On note également l'ensemble de travaux menés autour du Trocadéro, donc à l'occasion de l'exposition universelle. Et on note surtout la myriade de voies ouvertes dans les quartiers dits périphériques, donc ces quartiers qui étaient en pleine expansion et qui étaient un ensemble de voies qui avaient été baptisées par Haussmann comme appartenant au troisième réseau, donc celui qui devait équiper ces quartiers qu'il avait annexés récemment en 1860. On a donc là une parfaite continuité. Ce que le préfet avait commencé, on l'a continué sous la République. Même là où la nouveauté a fait éruption, dans le domaine technique, avec l'apparition de nouveaux matériaux, on retrouve aussi de fortes permanences. Ces matériaux, c'était essentiellement le fer, déjà présent de longue date depuis le début du siècle, et le béton. Ils ont alors marqué une révolution technique, mais cette révolution technique ne fut pas pour autant une révolution artistique. Ils ont permis de nouvelles performances, mais ces performances n'ont pas été mises au service de nouvelles ambitions esthétiques. Prenons l'exemple du béton. Son développement s'est accéléré autour de 1890. Si l'un des premiers brevets déposés en France, celui de Joseph Monnier, date de 1867, c'est autour de 1890 que deux autres brevets, les principaux, ont été déposés coup sur coup. En 1889, celui de l'ingénieur Paul Cotensin, intitulé « Système de construction en ciment avec ossature de fer ». En 1892, celui de François Henbic, une combinaison particulière du métal et du ciment, en vue de la création de poutraisons très légères et de haute résistance. Une maquette de la maison Henbic présentait les performances que l'on pouvait obtenir avec ce matériau, maquette qui avait été réalisée à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue au Danemark, mais je n'en sais pas plus. Cette maquette est intéressante, elle est très révélatrice. Elle montre d'une part que le béton permet de répondre à une performance technique, il permet de porter une plateforme grâce à un unique pilier central, mais elle montre aussi que le béton se prête à la reproduction d'éléments traditionnels, base, chapiteaux, éléments d'arc et même clés sculptées, autant d'éléments qui appartiennent à un vocabulaire constructif qui est celui de la pierre. Ces aspects sont très frappants si l'on examine la construction du bâtiment qui abrita le siège central de l'entreprise Henbic à Paris, qui a été réalisé entre 1899 et 1900. Ce bâtiment se trouve sur une parcelle ingrate qui est située à l'angle de la rue d'Anton et de la place Saint-André-des-Arts, qui est un triangle d'environ 26 mètres de long, mais dont la profondeur varie entre 3 mètres et, dans sa plus grande dimension, 16 mètres. Le recours au béton armé a permis d'établir à chaque étage de grands plateaux libres de tout point d'appui. On avait simplement ces poutrelles et ces grands plateaux dégagés dans lesquels ont pris place par la suite les bureaux de l'entreprise Henbic. Tout l'immeuble a été ainsi construit avec ce matériau qui offrait la possibilité d'une exploitation maximale de ce terrain étroit. L'architecte Édouard Arnault a proposé un dessin de façade contemporain. L'immeuble est difficile à distinguer de ses voisins. Le béton
offrait une réponse performante aux usages de grandes salles de bureaux et une réponse adaptée aux idéaux culturels par la reproduction de ce que l'on faisait dans les immeubles en pierre de taille, des colonnes, des balustres, des consoles, des clés saillantes. Ce matériau a été largement utilisé. Il a été employé dans des édifices monumentaux et religieux qui réclamaient de vastes espaces. On le trouve par exemple au Petit Palais, pour des parties invisibles, comme les planchers. On voit ici donc la fabrication de la dalle au moment du chantier. Ou plus démonstratives, comme l'escalier, lui aussi en béton. Et il a suscité, grosso modo, les mêmes questions et les mêmes réponses que le métal. Tous deux, le métal ou le béton, ont été considérés par les architectes comme un moyen, non comme une fin. C'est ce qu'a exprimé très clairement Charles Garnier en 1869 à propos du métal. Le fer, écrivait-il, est un moyen, ce ne sera jamais un principe. Lorsqu'il faudra clore et enserrer, lorsqu'il faudra faire le mur, le fer sera rejeté comme incompatible. Comme le plein et le mur sont les données premières et impérieuses de l'art architectural, il faudra revenir aux matériaux qui peuvent les suivre. Si, comme construction proprement dite, le fer a des ressources innombrables et se prête à des hardiesses inconnues, comme art, il n'a pour avenir que le point d'appui et la couverture. Dans ses débuts de la Troisième République, il est un exemple très parlant de cet usage du fer, la Tour Eiffel. L'idée, on le sait, est venue de deux ingénieurs de la maison Eiffel, Émile Nougier et Maurice Kuklin, qui, en vue de l'exposition universelle de 1889, proposèrent une tour très haute, un pylône de 300 mètres de hauteur. Ils voulaient consacrer en quelque sorte la victoire de l'homme sur la matière par un monument d'une hauteur inégalée, construire, comme l'a écrit joliment Meyer, un point d'exclamation en fer à mesure d'une exposition universelle. Maurice Kuklin mit au point l'avant-projet de ce pylône de 300 mètres et le soumit à son patron, Eiffel. Ce dernier déclara qu'il n'avait pas l'intention de s'y intéresser, mais il laissa les ingénieurs poursuivre leurs études. Ceux-ci se sont alors tournés vers un architecte, Stephen Sauvestre, qui introduisit de grands arcs en métal. Techniquement inutiles, ils étaient esthétiquement décisifs. Et ils eurent des conséquences immédiates. Eiffel revint sur sa décision et s'engagea pour la réalisation de cette tour qui porte aujourd'hui son nom. La tour n'était plus uniquement une performance technique. Elle avait aussi gagné, aux yeux de ses contemporains, un visage architectural. Ces nouveaux matériaux et ces performances techniques ont néanmoins suscité des réactions inédites. Le renouveau esthétique s'est ainsi déroulé en deux temps. Il s'est d'abord manifesté à travers la plume de certains critiques qui a permis de comprendre l'originalité dont ces matériaux et techniques étaient porteurs. Ainsi, ceux qui ont provoqué le changement, ce sont moins les créateurs des œuvres que ceux qui ont porté sur ces œuvres un nouveau regard. La tour Eiffel, dont on vient de voir qu'il avait fallu l'habiller d'un arc, l'habiller au goût du jour, pour qu'elle puisse être acceptée, permet de saisir ce processus. Elle suscita de violentes critiques, comme la pétition des artistes, que l'on connaît, adressée en février 1887 au directeur des travaux publics de Paris, qui dénonça
l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Mais d'autres le virent d'un autre œil et proposèrent de nouvelles interprétations, comme cet historien d'art du nom de Alfred Gotthold Meyer, qui publia un commentaire en 1907 dans un ouvrage qui s'intitule « Construire en fer, histoire et esthétique ». Son point de vue était donc de porter un regard esthétique sur ces nouvelles constructions métalliques et d'apporter ainsi une nouvelle façon de considérer ces constructions. Donc à propos de la Tour Eiffel, il écrit « Son mince treillis a surpassé la masse la plus imposante. Après pareille épreuve, sa force tendue, élastique, peut bien valoir à la forme qui lui a permis de remporter ce succès la reconnaissance qu'elle mérite. Elle n'a besoin de se conformer ni au style historique lié à des autres matériaux et à d'autres performances constructives, ni même à la notion de style. Elle porte en elle-même la loi de sa forme propre. Et ceci n'est que l'ultime conséquence de la dématérialisation, de la réduction de la masse à des surfaces et des surfaces à des lignes. Ce n'est pas l'invisibilité qui est l'essence de cette tour, mais la transparence. Si on revient à Charles Garnier, qui évoquait le plein comme une donnée première et impérieuse de l'art, et qu'on rapproche ses propos de Meyer, qui parle de dématérialisation et de transparence, on voit l'ampleur du chemin qui a été accompli en l'espace de moins de 40 ans. Une révolution mentale a eu lieu, la révolution architecturale était en cours, le point de vue de Meyer ne fut adopté que par la suite, par les architectes. Ce fut le deuxième temps de cette évolution qui se manifesta essentiellement durant le XXe siècle. Néanmoins, on peut noter quelques prémices dans l'architecture des débuts de la Troisième République. Sans adhérer à l'idée de dématérialisation, certains architectes ont utilisé le béton et le métal à part entière, et pas seulement comme des solutions techniques dissimulées au regard. Cela leur a permis aussi d'introduire plus de lumière et plus de transparence. Pour le métal, cela avait été tenté, je pense que ça a été évoqué par mes prédécesseurs, par Henri Labrouste, dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais la démarche ne faisait pas toujours l'unanimité à la fin du siècle. Comme le prouvent ces deux exemples contemporains, du Grand et du Petit Palais. Tous les deux sont couverts d'une charpente métallique. Elle n'est visible qu'au Grand Palais. Là, elle offre au vaste espace qu'elle couvre une grande luminosité. Au Petit Palais, en revanche, l'architecte Charles Giraud a préféré de grandes voûtes baroques dont le décor peint a été réalisé après l'exposition universelle par Alfred Bénard pour le vestibule d'entrée et par deux artistes académiques pour les grandes galeries, Fernand Cormont et Alfred-Philippe Rohl. Et dans un cas comme dans l'autre, vous noterez que rien ne transparaît en façade. Elles furent toutes deux, les façades du Grand Palais comme celles du Petit Palais, habillées de pierres de taille. Les premiers édifices dans lesquels le métal a été affiché sont des édifices un peu particuliers, soit des édifices provisoires, comme ça a été le cas dans les expositions universelles, soit dans des édifices nouveaux par leur programme, comme les grands magasins, soit dans des édifices utilitaires, comme les usines, les immeubles industriels ou les écoles. Il s'agissait de tirer le bénéfice de grande portée et de luminosité qu'offrait le métal dans des bâtiments dont la vie éphémère ou la fonction permettait une certaine liberté de style. Les magasins du printemps, par exemple, dont le premier des bâtiments fut construit par Paul Cédille et le second, qui est celui qu'on voit, par René Binet
puis ensuite par Georges Vibault après l'incendie du bâtiment qui avait été entrepris par Binet, montrent en façade comme à l'intérieur les structures de métal dont ils sont constitués. Ces parties de métal, ces éléments de métal sont partie prenante du dessin artistique des architectes. La coupole a été dotée d'une verrière colorée qui est due au maître verrier Brière. Les grandes baies métalliques que l'on voit ici, dont les linteaux sont scandés par le rythme des boulons, sont encadrés par des pilastres de pierre. Autre exemple, ceux de ce qu'on appelle les immeubles industriels. On en trouve dans la rue de Réaumur, qui fut l'une des rues ouvertes en partie par le Second Empire et en partie par la Troisième République. On en trouve aussi dans la petite rue d'Uzès, qui n'est pas très loin et qui a été ouverte, elle, en 1870. Cette ribambelle d'immeubles industriels a abrité des activités diverses, telles que l'imprimerie ou la dentelle. Les machines et les stocks occupaient les sous-sols et la partie centrale du bâtiment, avec les bureaux également, et des logements étaient situés en partie haute. Ces immeubles nécessitaient de vastes surfaces éclairées. Ils suivent la composition traditionnelle de l'immeuble parisien et le gabarit de l'immeuble parisien. Ils sont même souvent dotés de travées de pierre à leurs extrémités qui permettent de les raccorder avec plus de facilité aux immeubles voisins. Leur partie centrale est en métal. Et là, le décor joue avec celui de la pierre. Ici, donc, deux autres immeubles industriels qui se trouvent cette fois-ci rue Réaumur, où l'on voit comment ces éléments de décor sont en partie repris dans les éléments métalliques, de façon à assurer une continuité de l'ensemble. Certains architectes ont été plus aventureux et ils ont fait du métal un véritable principe, comme ce cas assez exceptionnel de l'immeuble qui se trouve au 124 rue de Réaumur et qui est dû à Georges Chédan, où il propose un véritable pan de fer, où le fer est allié au verre, à l'exclusion de toute maçonnerie, sinon pour un petit étage qu'on trouve en retrait. Dans les écoles, ici vous avez deux écoles parisiennes également, celle construite en 1872, au tout début de la République, par Charles Cordier, et puis celle-ci un peu plus tardive, qui date de 1892, qui a été construite par Joseph-Antoine Bouvard, on remarque à peu près les mêmes variations. Dans les plus discrètes, le métal qui est utilisé systématiquement pour les planchers s'affiche par le biais des ancrages, mais ces ancrages sont l'objet d'un dessin décoratif et non plus dissimulés dans la maçonnerie. Dans les plus téméraires, comme l'exemple de Bouvard, on a une structure métallique affichée comme un quadrillage, à l'intérieur duquel des jeux de briques assurent le remplissage, l'essentiel du motif étant constitué par ces grands éléments métalliques. Cette démarche est restée exceptionnelle dans les immeubles ordinaires, dans les immeubles bourgeois, bien qu'à ce moment-là, tous les planchers de ces immeubles étaient des planchers métalliques. Mais en général, les ancrages, contrairement à ce qu'on voit ici, étaient noyés dans la maçonnerie. Donc, pas de traces de métal visible, à de très rares exceptions près, dont cet immeuble construit au 95 rue de Montmartre entre 1898 et 99, qui est dû à un ingénieur, et c'est probablement pas un hasard, du nom de Sylvain Périssé. Pour la plupart, les architectes qui ont été les plus téméraires sont ceux qui se réclamaient des principes rationalistes, ceux qui avaient été exprimés et qui sont bien connus par Viollet-le-Duc dans ses entretiens. En architecture, il y a deux façons nécessaires d'être vrai. Il faut être vrai selon le programme et vrai selon les procédés de construction. Être vrai selon le programme,
c'est remplir exactement, scrupuleusement, les conditions imposées par un besoin. Être vrai selon les procédés de construction, c'est employer les matériaux suivant leur qualité et suivant leurs propriétés. Et il ajoutait à propos du fer, on l'emploie, mais on le dissimule. On ne lui accorde pas le droit de paraître ce qu'il est. C'est une alliance de la main gauche. Aussi a-t-il proposé lui-même une autre façon de faire, à travers les planches qui accompagnent ces deux entretiens, et dont une est une proposition pour un immeuble à pans de fer, donc assez semblable à ce qu'on a vu avec l'école de Bouvard, qui est un immeuble donc dans lequel la structure serait constituée par des éléments métalliques qui seraient affichés en façade et desquels on jouerait comme on avait joué avec le pan de bois. Il est toutefois révélateur de constater que lui-même, le théoricien de cette nouvelle façon de faire, exprimait une certaine perplexité à l'égard du résultat. « Je n'ai point, écrit-il à propos de cette planche, la prétention de donner ce fragment comme une architecture de l'avenir, mais comme une étude sans réminiscence des moyens que nous fournissent les industries du moment. » Apparemment, le résultat esthétique le laissait un peu douteux, mais néanmoins, il l'a publié donc comme une des planches de ses entretiens. Et ça a été la voie de l'avenir qui a été suivie par plusieurs de ses émules et qui les a guidés autant pour l'utilisation du métal que pour l'utilisation du béton. Comme le métal, le béton est apparu dans différents types d'édifices de façon visible, des églises aux usines en passant par quelques immeubles. Quelques exemples, celui connu de Saint-Jean-Baptiste de Montmartre, construit donc par le disciple de Viollet-le-Duc qui était Anatole de Baudot, à partir d'un système constructif qui est celui qui avait été mis au point par l'ingénieur Paul Cotensin. La structure de l'église est constituée d'un réseau de nervures dont on voit ici le détail, qui sont des piliers en ciment armé et en briques enfilées. Ce système constructif s'est avéré performant pour faire face à une construction difficile sur un terrain qui, encore une fois, était un terrain de petite surface avec une forte déclivité. Et le résultat n'est pas sans évoquer, par ses structures apparentes, l'architecture gothique dont se réclamait son maître. Autre exemple, l'immeuble qu'Auguste Perret a construit rue Franklin dans les mêmes années, qui a répondu à un pari relativement similaire. Il s'agissait une fois encore d'une petite parcelle, étroite, difficile à construire, sur laquelle on ne pouvait installer que difficilement un immeuble. Le recours au béton armé lui a permis de réduire au minimum les surfaces portantes. Donc on a des éléments, des points porteurs, et donc pas de maçonnerie pour tout ce qui est la délimitation des espaces, mais de simples cloisons relativement fines. La suppression complète de la cour, donc ici ce n'est qu'une courette, et une géométrie relativement complexe qui permet de déplier la façade en exploitant habilement les possibilités qui avaient été offertes par le règlement de 1902. Il a pu ainsi aménager des appartements relativement vastes de 5 pièces. Voici sa façade, où l'ossature de béton apparaît signifiée de façon assez claire, recouverte par des céramiques, alternant avec des surfaces décorées de motifs floraux. Mais le renouveau de l'architecture n'est pas simplement venu d'un regard esthétique original et d'une doctrine architecturale récente. Il a été également porté par des évolutions de société, parmi lesquelles j'évoquerai d'une part la naissance et le développement des programmes sociaux, et d'autre part l'influence grandissante d'une profession qui était alors en pleine expansion, les médecins. Au nombre des œuvres les plus célèbres de la Troisième République figure ce que l'on désigne couramment comme l'école Jules Ferry.
C'est en effet par les célèbres lois de 1881 et 1882 que le ministre a rendu l'enseignement primaire tout d'abord gratuit, puis, et seulement ensuite, simultanément laïque et obligatoire. Il a conclu ainsi un lent développement qui avait été engagé dès les années 1830 avec Guizot. Cette œuvre d'éducation du peuple a été illustrée par le peintre Jean Geoffroy, qui en a fait un de ses sujets favoris en représentant différentes scènes de la vie en classe. Ces écoles étaient destinées aux plus pauvres, ceux dont les parents ne pouvaient payer pour leur éducation, ceux qui commenceraient et qui termineraient leurs études dans ces écoles. Les enfants des classes aisées disposaient d'un enseignement primaire payant qui se trouvait au sein de ce qu'on appelait alors les petits lycées, à l'issue duquel ils entreraient dans les lycées. L'école primaire était donc l'école du peuple. L'ambition de Jules Ferry ne s'arrêta pas là. Le ministre alloua d'importants crédits à la construction de bâtiments par une loi de 1878. Le ministère de l'Instruction publique, disait le ministre, est devenu une véritable usine dans laquelle on fabrique des écoles. Il fabrique en moyenne 3 écoles par jour. Nous faisons des écoles presque aussi rapidement que le boulanger fabrique son pain. Il y eut dans toute la France environ 30 000 maisons d'école construites ou rénovées. Ce fut une impulsion qui toucha, dans ce cas, autant les villes que les campagnes. Dans les villages, l'école a souvent été associée à la mairie, deux bâtiments phares de la République, la loi de 1884 ayant fait du maire l'élu du conseil municipal et exigé un bâtiment spécifiquement dédié à cet usage. Donc vous voyez ici l'exemple de Salincy dans l'Oise, la mairie-école dont on trouve des centaines dans tous les villages de France. Et ici, une simple école de garçons à Liancourt, une ville un peu plus importante qui avait assez d'argent pour ne pas réunir l'un et l'autre programme. Ainsi, de la petite école à la grande, et même au lycée, qui ne furent pas de reste, beaucoup de nouveaux édifices scolaires virent le jour sur l'ensemble du territoire. Ces crédits furent accompagnés d'une réglementation qui imposait un programme et qui définissait les différents espaces de l'école. Un mode pédagogique avait été précisé, le mode simultané, et 3 niveaux définis. Les classes devaient accueillir au maximum 48 élèves, et leur surface était calculée en fonction de l'encombrement du banc table, et donc c'est à partir de la somme des bancs tables et du passage nécessaire entre les bancs tables que se définissait la surface de la classe. Donc à partir du mobilier, on générait l'ensemble de l'architecture. On le voit très bien dans ce plan qui est celui d'un groupe scolaire donc construit en 1891 par l'architecte Julien, sur lequel sont reportées exactement ces dispositions qui ont été précisées par le règlement pour justifier de la dimension qu'il a donnée à chacune des salles de classe. L'architecture de ces écoles, qu'elles soient de ville ou de campagne, qu'elles concernent les petites écoles ou les grands groupes scolaires, fut une architecture fonctionnelle. Elle a été guidée par le règlement et elle a fait rimer l'ampleur des baies avec celle des salles éclairées. Donc on le voit en partie basse où se trouvait le gymnase de grande baie, en partie haute, ici c'est une école donc qui se trouve rue Rouelle, qui est due à l'architecte Louis Bonnier, en partie haute pour éclairer le couloir qui se trouvait de manière systématique du côté de la rue, des baies de moindre ampleur et une association de l'ensemble à travers un motif. Elle a également été rationnelle, utilisant la matière avec économie, mais aussi avec un souci artistique,
en jouant de la structure du bâtiment et de la polychromie naturelle des matériaux pour en faire des motifs décoratifs. Ce fut une architecture violet-lucienne au plein sens du terme. Ici, une autre école, celle de Monceau-les-Mines, qui est aujourd'hui un musée dédié à l'école, qui a été construite donc, dans d'autres matériaux que les écoles précédentes, non plus en briques, mais cette fois-ci en pierre locale. Mais on retrouve cette même façon de jouer de la structure du bâtiment pour en constituer l'ensemble du décor, avec ici des baies dont l'accent néo-gothique fait penser qu'elles sont presque directement issues du dictionnaire raisonné de l'architecture. Et là, vous trouvez, donc, comme c'est un musée, on a conservé l'ameublement original sur lequel beaucoup de spéculations ont également été faites pendant cette période, en particulier par les médecins. Un autre programme social a fait l'objet d'initiatives remarquables, le logement. Cependant, dans ce domaine, les résultats ont été plus lents et ils n'ont pas atteint la même ampleur que dans le domaine scolaire, du moins pas avant 1914. Par ailleurs, l'État a joué là un rôle de relais et de soutien, mais les initiatives ont été essentiellement celles de philanthropes et d'hygiénistes. En 1889, pendant l'exposition universelle, eut lieu le premier congrès international des habitations à bon marché. Et dans la foulée, a été créée une société française des habitations à bon marché, grâce à laquelle fut votée en 1894 la première loi sur le logement social. Appelée loi Siegfried, elle constituait une aide en encourageant la création de comités départementaux d'habitation bon marché. Elle offrait des facilités de crédit et une immunité fiscale aux futurs constructeurs. Elle a suscité la création de sociétés de construction de logements sociaux, comme celle qui fut fondée en 1903 par un ingénieur des Monts et Chaussées du nom de Horace Weil et un artiste, Franz Jourdain, intitulée la Société des logements hygiéniques à bon marché. Cette société choisit pour architectes Henri Sauvage et Charles Sarrazin. Leur premier immeuble est celui que vous voyez là. Il a été réalisé entre 1903 et 1904. Il se trouve à Paris, rue de Tretaigne. Il comprend donc 6 appartements par étage, qui sont à chaque fois des appartements qui sont mono-orientés, donnant soit sur la rue, soit sur la cour, pour 4 d'entre eux. Ils comprennent 3 pièces et une cuisine étroitement associée à un WC. L'espace est minimum, mais l'ensemble n'est pas dépourvu d'un certain confort, comme celui, par exemple, de garde-manger, qu'on trouve systématiquement dans les cuisines et qu'on peut voir, qu'on peut deviner, ici sur la photo, avec un motif ici qui associe donc le garde-manger, une fenêtre haute qui correspond à la fenêtre haute du WC et la fenêtre latérale ici qui est donc la fenêtre de la cuisine. On retrouve dans cette architecture les mêmes caractères que dans les écoles, des plans définis à partir d'une réflexion qui porte sur le minimum de surface nécessaire aux activités, une construction réglée par un souci d'économie de la matière. Comme les écoles, les architectes ont aussi employé pour ces programmes la brique rouge ou la brique claire, la brique jaune, ou un mélange des deux pour mettre en place des motifs décoratifs. Ici, dans cet immeuble, la structure est en béton, et donc le remplissage est un remplissage de briques claires. Ces deux autres immeubles, donc, qui sont l'un construit par la Société philanthropique dans le 13e rue Jeanne d'Arc, dû à l'architecte Georges Guyon, et l'autre, un immeuble de la Fondation Rothschild, une autre formation qui a été à l'origine de nombreux immeubles de logement social et qui se trouve rue de Prague en 1909, qui
qui a été construite par l'agence de la Fondation, qui avait à son service donc un staff d'architectes. On retrouve les mêmes caractéristiques architecturales, donc les emplois des mêmes matériaux et ce même souci d'économie. On retrouve également ici ces ancrages métalliques qu'on a vu apparaître dans les bâtiments scolaires, ainsi que aussi que des linteaux métalliques. Donc autant d'éléments qui étaient tout à fait absents de la construction bourgeoise à l'époque. Ces logements devaient offrir aux ouvriers un logement, bien entendu, mais ils devaient aussi être un outil de leur insertion sociale. Les immeubles offraient des services collectifs, souvent au rez-de-chaussée, tels qu'un lavoir, des bains-douches, un dispensaire, des garderies pour enfants. Pour certains, ce programme nouveau devait même être à l'origine d'un renouvellement de l'architecture. C'est ce que prônait Jean Lahore, qui était un apôtre de William Morris, qui est à l'origine de la création de la Société d'art populaire et d'hygiène, et qui voyait dans la réalisation de ces logements sociaux la naissance d'un art nouveau pour le peuple. À la réflexion sur le logement social fut étroitement mêlée la question de l'hygiène. Les médecins ont interrogé l'architecture et la ville, ils ont mis en cause les dispositions sanitaires, ils ont formulé des exigences de ventilation et de luminosité. Ils se sont regroupés dans des sociétés aux côtés des ingénieurs sanitaires et de quelques architectes. C'est ainsi qu'a été fondée en 1877 la Société française d'hygiène et l'année suivante, la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. De premiers congrès internationaux, qui se tinrent successivement en 1876 à Bruxelles et en 1878 à Paris, réunir ces sociétés, et à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, a été présentée une exposition de l'hygiène de l'habitation. À ces développements fait écho celui d'installations techniques qui ont apporté aux immeubles un confort nouveau, des vides d'ordures, la boîte à ordures baptisée du nom du préfet, poubelle, et tardivement, en 1894, la généralisation du tout à l'égout. Ce qui était alors un des problèmes les plus brûlants était la diffusion de la tuberculose. Un bilan faisait état de 32 000 décès dans les villes de plus de 5 000 habitants. Or, comme l'écrivit le médecin Jules Renaud, on n'avait guère à ce moment à sa disposition que la triade thérapeutique, repos, suralimentation, séjour au grand air. Le véritable traitement n'apparut qu'à durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, avec la streptomycine. Mais la connaissance des symptômes de la maladie, particulièrement dans sa forme pulmonaire, avait progressé grâce à la découverte du bacille de la tuberculose, le bacille découvert par Robert Koch en 1882. Or, il apparaissait que ce bacille ne résistait pas à la lumière et qu'il était donc décisif de favoriser des habitations ensoleillées et ventilées. Ainsi ont été lancées les premières enquêtes à l'échelle des villes pour recenser les conditions d'habitation et leurs liens éventuels avec le développement de la maladie. C'est dans cette perspective que le Conseil municipal de la capitale a créé en 1893 un casier sanitaire des maisons de Paris qui fut dirigé par Paul Juillerat. Du côté des architectes, ces constatations produisirent de multiples réflexions et propositions, comme en témoignent les résultats du concours qui avait été lancé par la Fondation Rothschild en 1904. C'était un concours sans programme, mais dont l'objectif était de définir ce que devait être l'architecture du logement social. Il fut remporté par un architecte du nom de Augustin Rey, qui fut aussitôt invité à participer au Congrès international de la tuberculose qui se tint à Paris en 1905. On ne peut être plus explicite. À travers une quantité incroyable de schémas, l'architecte démontrait quelles nouvelles dispositions devaient être adaptées pour le logement en fonction de la circulation, de la ventilation. Donc, il configurait le flux
d'air qui circulait par ces espèces de lignes. Et il montrait que pour obtenir donc un flux, le flux le plus performant, on devait adapter un certain nombre de dispositions particulières. Ces dispositions touchaient autant à la structure même des immeubles qu'à la disposition des appartements. C'est ainsi qu'il montrait que la disposition de l'immeuble traditionnel, qui avait une façade continue sur rue et des cours sur l'arrière, empêchait que l'air ne circule, alors que si l'on adoptait une disposition, par exemple sous forme de plot, on avait des cours qui s'ouvraient sur la rue et qui permettaient au vent de pénétrer donc à l'intérieur de la parcelle. Et même si on laissait les escaliers de façon extérieure, permettait aussi de traverser les volets d'escalier. Donc c'était une disposition, de ce point de vue, beaucoup plus performante que ce qui avait été adopté jusque-là dans la ville. Idem pour la disposition des appartements, dans lesquels il préconisait donc que les fenêtres et les portes soient sur le même axe, de façon à favoriser ces courants d'air. Il avait même imaginé de placer des placards dans les angles directement ouverts sur l'extérieur, de façon à ce que les placards aussi puissent être ventilés par ce flux continu qui permettrait donc aux bacilles de disparaître ou du moins de le combattre. Donc il démontrait que de l'implantation du bâtiment à la disposition des pièces, tout pouvait être désormais asservi à cette idée majeure, la lutte contre la tuberculose. Un autre exemple illustre bien ce combat et l'emprise exercée par les médecins, qui est celui de la genèse du célèbre immeuble construit entre 1912 et 1913 par Henri Sauvage rue Vavin, auquel j'ai fait précédemment allusion. L'histoire commence lors d'un congrès international de la tuberculose, mais celui-ci a lieu à Berlin en 1902. À cette occasion, un médecin allemand du nom de David Sarrazon, soucieux lui aussi de combattre la tuberculose, d'améliorer les conditions de vie des ouvriers plus touchés que les autres par la maladie, mais aussi celles des malades qui étaient soignés dans les sanatoriums, proposa un système ingénieux. Pour assurer de bonnes conditions de luminosité et d'aération des chambres, tout en offrant des balcons de cure, il inventa un système à gradins en constituant des terrasses par le retrait de chaque façade du niveau supérieur par rapport au niveau inférieur. Donc, avec ce système, on pouvait permettre à la chambre de ne pas avoir l'ombre du balcon qui débordait trop, puisque le balcon était situé à cheval entre la chambre et le débord. Donc on limitait le débord et on permettait quand même un balcon de plein pied à chacune des chambres. Donc c'est ce qu'il appelle, il a fait de nombreux schémas, donc ça, c'est un schéma parmi d'autres, mais il en a publié de nombreux schémas pour un sanatorium en terrasse ou, précise-t-il, un hôtel de cure. Ce sont des schémas qu'il a proposés également pour des immeubles d'habitation. Lors de sa conférence, se trouvait dans la salle un médecin français qui était le docteur Camille Savoir. De retour à Paris, Camille Savoir fut invité à faire une conférence dans l'amphithéâtre de l'École des Beaux-Arts en 1903. Et il présenta le modèle de David Sarrazon comme étant le modèle courant du sanatorium allemand, ce qui était loin d'être le cas, puisqu'à ce moment-là, il ne s'agissait qu'une idée théorique. Néanmoins, le résultat ne s'est pas fait attendre. Henri Sauvage, qui probablement était dans la salle, proposa peu de temps après un système de construction à renom tout à fait analogue à celui qu'avait proposé David Sarrazon. Il déposa en 1912, avec son associé, un brevet pour un système de construction. Puis il réalisa l'immeuble selon les principes qu'il avait déjà déposés dans son brevet et qu'il devait par la suite réaliser dans plusieurs opérations, comme dans l'immeuble de la rue des Amiraux. Immeuble, bâtiment scolaire,
et a fortiori hôpitaux et sanatoriums, furent ainsi profondément transformés par les exigences médicales. Au fil des années, celles-ci bouleversèrent la ville et l'architecture, imposant une orientation solaire, de grandes baies vitrées, de larges balcons, tout ce qui a constitué l'immeuble actuel. C'est ainsi que derrière les façades opulentes et joyeuses des débuts de la Troisième République, ont germé, dans le terreau favorable du logement ouvrier et des questions sociales, les graines de l'architecture moderne. Merci.